Poupa au Tchad à N'Djamena pour deux dates dans la poursuite de sa tournée africaine, bien évidemment. Il assure comme une bête, accueilli comme un roi à N'Djamena. Il poursuit son premier concert qu'il doit livrer en VIP, bien évidemment. Ensuite viendra un concert normal. Et ben, le prix laisse tomber. Et ben, c'est énorme, énorme. Je vous laisse les images. Hein. Vous allez en juger. On se retrouve dans le commentaire. Fendi! Oh, Ningalo, dans le patamus, voilà! Ningalé! Oh, Ningalo, dans le patamus, Ndoki, Ndoki, Katapu, Ndoki, Ndoki, Souhait! Badiata, ça, Pierre, badiata, ici, les vacances, badiata! Ok, aïe, yo! Lati, Moro, ii, présent, Lati, Papa Soda! A Lati, Oui! Faites du bruit si vous voulez faire la fête avec moi. Non, pas ça. Maximum du bruit d'abord pour vous, s'il vous plaît. Et que la fête commence. Fally Ipupa, un concert haut en couleur carrément. La tenue, la prestance, les accompagnateurs, les instrumentistes, un show haut en couleur sur tout le point de vue carrément. Voyez-vous, c'est un artiste qui bat des records, c'est un artiste qui fait la fierté de la RDC, du Congo, de l'Afrique centrale. C'est juste magnifique de l'avoir survolé dans presque tout le pays hein, où il livra un concert puisque sa tournée a débuté depuis un certain moment. Et là, il poursuit cette fameuse tournée tranquillement et comme il se doit. La légende vivante nominée aux AFRIMA, nominée partout, on va dire, à travers le monde. C'est énorme ce qu'il fait. Une représentativité comme il se doit hein, pour le Congo, la RDC. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un emblème carrément, une unité de mesure hein, pour beaucoup d'artistes. Tant qu'Africains, qu'Européens, au jour d'aujourd'hui, sollicités par le plus grand de la musique, le rappeur, qui veulent faire de featuring avec lui. C'est un artiste qui est égal à lui-même au jour d'aujourd'hui, puisque tout ce qu'il touche se transforme en or. Tout ce qu'il touche se transforme en hit, en classique. C'est un gars qui ne jure que par son travail hein, et de par ce qu'il fait. Hein. Le don partout en Afrique, c'est juste un gars qui sait réellement hein, saisir la balle au bon et passer à l'action surtout. C'est avec le cœur doté hein, de la bonne foi. Et puis, ses actions précèdent, on va dire, hein, à sa personne. C'est juste excellent. La force également qu'il renvoie aux jeunes qui arrivent dans la musique, c'est énorme, c'est énorme. C'est un artiste à féliciter. Vous ne direz pas le contraire. Ben, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ses concerts au Tchad, à N'Djamena, où il livrera deux concerts. Ensuite, il poursuivra pour d'autres pays comme le dit son calendrier carrément hein, pour sa tournée 2021-2022. Et ben partout où il passe, personne ne reste indifférent. Il est égal à lui-même, peu importe le tarif de ses concerts. Il y a toujours ses fans qui répondent présents pour nécessairement hein, voir et vivre en live l'artiste, les spectacles qu'il propose, puisqu'il est à la base de donner l'offre, de donner
y compris la demande, il est toujours là pour donner l'échange parce que c'est son métier, c'est ce qu'il aime bien faire. Au-delà de la musique, Fally Ipupa reste un entrepreneur, un philanthrope qui essaye de changer le monde, de changer, on va dire, son univers autour de lui grâce à ce qu'il gagne. Peu d'artistes sont comme lui. Après une prestation quelconque, prennent encore quelques pourcentages de leur dû pour faire du bien autour d'eux. Ça, c'est une denrée rare dans le monde de la musique, mais lui, il le fait. C'est un artiste à féliciter. Moi, personnellement, ça ne me surprend pas le fait pour lui de faire des actions, le fait pour lui de se produire partout en Afrique. Ça prouve largement et à suffisance combien il est aimé, combien il est apprécié et combien il est mis en avant, tant que sur le plan national ou international. Yeah, 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 yeah.